des scènes de violence, un sujet à l'intention d'un auditoire adulte et un langage vulgaire qui pourrait offenser certains auditoires, destiné à un public averti. J'ai fait mal à ben du monde. J'ai un gros parcours. Mais moi, je me voyais comme un soldat. J'exécutais les ordres. Pour moi, c'était jamais personnel. Je suis un professionnel. La tête au-dessus du cœur, comme qu'on dit. Mes cibles, la plupart du temps, je les connaissais même pas. Une photo, une adresse, c'est tout. Restez calme, bien concentré. Restez détaché. À un moment donné, ça clique. C'est le temps, tu le sais. Le boss disait, ce gars-là, faut qu'il tombe. Et il tombait. Je suis né à Chicoutimi. En 1950. Elle, c'est la personne que j'haïs le plus sur la Terre. Ma mère. Faut que ça arrête, ces affaires-là. On finit par y faire mal. Tu vas appeler une mère. Le plus vieux de sa classe. Il devrait être capable de se défendre. Il est peut-être plus vieux, mais il est pas bien gros. Nuzette, tes affaires. Il se met en gang contre moi. Pourquoi tu penses? Jacinthe, pour l'amour. Vous devriez être fière de votre frère. Il est après devenir le grand spécialiste de la quatrième année. Trois fois qu'il reprend. Deux fois. Il n'y a pas rien que l'école dans la vie. T'es bon dans plein d'affaires. On a reçu ça un matin. Chers parents, vous trouverez 6 juin le bulletin de votre enfant, ainsi qu'une copie des résultats de son test Otis Lenon. D'après ce test, le QI de Gérald est de 88, le situant sous la moyenne, soit tout près du dernier quart de la courbe normalisée ci-dessous. Ce score expliquerait les lourdes difficultés d'apprentissage de votre fils. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça te donne? J'essaie juste de l'endurcir un peu. Je veux pas qu'il finisse mou comme d'autres. Thank you.
5 juillet 2006. On est à Bruxelles, en Belgique. Il est 10h47. Là, tout ce qu'on dit est enregistré. C'est beau, ça. Oui. Je vous ai expliqué qu'on détient une preuve d'ADN contre vous sur une bouteille de Labatt 50 et une tasse de café. Alors, pour nous, là, c'est un dossier qu'on considère comme étant résolu. Maintenant, est-ce que vous comprenez bien là, en quoi ça consiste, une preuve d'ADN? Mais vous reconnaissez là, que tout à l'heure, là, je vous ai bien détaillé l'opération qui a mené à cette preuve-là. Oui. Okay. Je vous ai aussi expliqué que vous êtes soupçonné d'avoir commis plusieurs autres meurtres sur une période assez longue dans la province de Québec, durant ce qu'il est maintenant convenu d'appeler là, la guerre des bâtards. Vous avez mentionné avoir travaillé pour un des leaders du gang de l'Ouest, Régent des Lauriers, et pour son lieutenant, Rod Lemay. Vous avez fait des contrats aussi pour Marc Larose, le numéro 2 des Rock Machines à Québec. Et vous avez eu des complices pour plusieurs de ces meurtres, dont Donald Lemaire, là, surnommé Dolly. 28 meurtres en 25 ans au Québec, puis ils finissent par m'arrêter en Europe, calvas. J'ai l'air calme de même, mais pff, en dedans, ça brasse. Mettons que ce soit vrai, je veux savoir ce qui va m'arriver, tu sais. J'ai 56 ans, puis j'ai des problèmes de cœur, tu sais, puis je veux pas finir dans une boîte de carton, tu sais, parce que il va y avoir un méchant contrat sur moi. Gérald... Un méchant contre. Si vous nous dites tout, absolument tout, là. C'est notre devoir de vous protéger. Ça s'applique à votre femme aussi, là. Et ma femme. Ça, c'est une femme... qui mérite pas du tout ce qui va y... qu'est-ce qui va y arriver. Du tout. Je vais briser cette femme-là. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Je vais détruire cette femme-là. Ils m'ont mis une ceinture pour ma comparution à Fort Lauderdale. Ils ont une manette. Tu t'énerves, il paye sur le piton. 1000 volts. Moi, tu iras faire un gars, reste tranquille en tabarnak. Vous en prendrez une manette de même, des fois. Ah, oh, ouais, ben, you wish, ben là. Esti d'Américains, hein? Ils sont efficaces pareil, les tabarnak. Attention, tout le monde ensemble. Y'en a pas comme lui, y'en a pas comme lui. Y'en a pas, y'en a guère. Y'en a pas comme lui, y'en a pas comme lui. Y'en a pas beaucoup. S'il y en a, y'en a pas beaucoup. Ouais! On lève notre verre à Dolly, qui a fait son 5 ans sans rien donner au bœuf. Ben rien. Santé. T'es pas trop ennuyé de ton salon de coiffure? Qu'est-ce que t'en penses? Se faire passer dessus par des gros tatoués, ça doit aider à passer le temps. Pas mal plus que par des agréables petites queues comme toi, ouais. Comme ça, t'es passé proche, toi? Grosse opération? Ouais, mais t'sais, ils m'ont bien repatché. Ah ouais? Montre-nous donc ça. Quoi, ça? Ben, de quoi tu penses? T'es-tu sous, toi? Non, je trouve ça sexy, les cicatrices, hein? Je sais pas, je trouve que ça fait mal. Ouais, ben, moi, il est pas trop minou, là. Ah. Ouais, Gérald, va-tu falloir que Dolly te mange la batte? Franchement! On est à table. On a fini de manger. Y a rien là. Si ça fait pas ton affaire, tu peux aller attendre dans le salon. Je vais aller t'attendre dans l'auto.
Ah, du caractère. Eh oui, t'as fondu, Goudon. Tu vas y aller tout seul? Ben, en fait, la façon qu'on fonctionne, là, c'est qu'on est toujours accompagné d'un policier pour ce genre d'intervention. Tu devrais y aller tout seul. Pour moi, on a l'habitude, là. Parce que, tu sais, vas-y doucement parce que sa pression, tu sais, ça va éclater. On apporte. Une minute, Chouchoune, j'avais pas ici. Ta gueule! Carlo, je le trace plus que toi. Moi, moi non plus, j'aimerais mieux pas. On va attendre là-bas. Ça sera pas long. Gang de l'Ouest puis les Rock Machines, on a décidé de mettre nos forces en commun contre les astis de Hells à la Marne. Ah, ils ont pas d'allure. C'est pas du monde, astis. C'est une gang de malades. Puis là, ils grugent notre territoire. Mais ils vont tomber, les tabarnaks. Marc va avoir besoin de nos services pour un petit bout. Ils veulent la guerre, ils vont l'avoir. On va leur rentrer dedans, les sales. Je veux des gros morceaux. Des full patch. Reg me dit que t'es son meilleur. Puis je le pense à part ça. Je vous décevrai pas. Sauf qu'avec ton opération, j'aimerais ça te ménager un peu. Non, ben, c'est, ça va mieux. Je me mets en forme. Je fais du bicycle, ça me remet en forme. Et toi et puis Dolly, vous faites confiance. Vous travaillez bien ensemble. On les appelait les frères Siamois dans le temps. Je veux juste que tu saches que si t'as besoin d'aide, il est là pour toi. Ouais, puis je viens de voir pas. 5 ans dedans, faut que je me refasse. Anyway, on se reparle. Je vous fais signe dans pas longtemps. Hey, dis-moi donc, Rod, il a acheté sa maison en 90, hein? Peut-être bien, je sais pas. Moi, je le sais. Il était cassé dans ce temps-là. Son deal de poudre avait chié avec les Mexicains. Peux-tu accoucher parce que ça fait une heure qu'elle m'attend. Ils m'ont arrêté en 90. Puis la banque offrait une prime de 40 000. Qu'est-ce qu'il brête, cet astino? Les bœufs sont pointés chez nous à 7 heures le matin. Ils savaient exactement ce qu'ils cherchaient, puis ils ont trouvé. 40 000 de la banque. La prime d'informateur, 5 000. Les ressources sont dedans. 40 000. C'est un maudit beau dans une maison, tu trouves pas? Oui, mais tu sais, Rod, c'est toi de sauf un rôle. Qui d'abord? No way. Ce petit gars-là, il vient me voir en dedans 3 semaines pendant 5 ans. J'ai même fait ça. J'accuse pas personne, là. Mais le tabarnak qui m'a stoulé m'a le pogné puis m'a arraché la tête calvaire. Puis ça, tu sais, ça va me faire un plaisir de t'aider, moi. Mais là, bonsoir. Dans ce monde-là, c'est chacun pour soi. Il faut pas montrer de pitié. C'est la dernière fois que tu me fais honte demain. Pour ce pas de danger, je retourne plus jamais là. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Hey! Combien de temps? Parle-moi pas sur ce ton-là, Gérald. Comment est-ce que c'est qu'on s'est rencontrés? T'as-tu oublié, Colic? Tu m'écrivais des lettres. Quand j'étais Anda, tu savais que j'étais pas un enfant de cœur. Puis tu m'as marié. Oui, je t'ai marié. C'est toi que j'ai marié. Mais c'est, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je me comprends. Ben, t'es la seule à te comprendre.
amenez pas. Ce monde-là, c'est ma famille. C'est pas une famille, ça. Ben, ils me font confiance, eux autres. OK? C'est avec eux autres que je gagne ma vie. Oui, puis je veux pas savoir comment. Tu veux pas savoir comment, mais t'es contente, hein? Les fesses assises dans un gros char, puis tu l'aimes, ta belle maison, puis ta grosse TV. Calvance. Tu veux-tu me tuer, toi? Tu veux-tu me tuer? Monsieur Gérald Galland? Oui. On a reçu une plainte pour troubles domestiques de Mme Pauline Galland. C'est votre épouse? Oui. Elle a appelé chez un voisin. Elle dit qu'elle a peur de rentrer chez elle. Voyons donc, pourquoi? C'est à vous de me le dire. Oui, tiens. On a eu une prise de bec. Le ton a monté, mais c'est tout. A rien à craindre de vous? Non. C'est la première fois que ça arrive en 10 ans. Votre mari dit qu'il vous a pas touché. Il m'a parlé fort. J'ai eu peur. Ça va mieux, là. Vous sentez-vous à l'aise de rentrer chez vous? Oui, oui. Vous êtes certaine? On chicane jamais. J'ai juste pas l'habitude. T'appelles plus la police. Jamais. Tu comprends? C'est fini, ça. La police. La violence, j'endurerai pas ça. Jamais. Tu comprends-tu ça, toi? Oui. OK. C'est ma faute. On va aller se coucher, puis ça va aller mieux demain. OK? Ouais. Ouais. Ça va-tu mieux, ton angine? Ouais. Ça a passé. Bonsoir. Bonsoir. Pauline, je l'aimais. C'était mon équilibre. Puis, c'était un bon front aussi. Ma petite vie tranquille. Tantôt, la police, qu'est-ce qu'ils ont vu? Une petite madame, puis un petit monsieur qui ont eu une chicane devant leur petite maison. Puis c'est parfait comme ça.
Mais moi, tout ça, c'était pas assez. Ça me prenait plus. Jocelyne, je l'avais repérée. Elle faisait du vélo, puis je connaissais ses déplacements au centre-ville puis sur les pistes cyclables. Fait que pour la rencontrer, j'y ai fait accroire que j'avais des problèmes mécaniques. Elle travaillait au complexe funéraire de sa famille, mais sa vraie passion, c'était le vélo. Mets vos jambes un peu, rapprochez vos genoux près du vélo, c'est ça. Hein? Ça marche. Elle a accepté de me montrer à faire du vélo sérieusement. Tu sais, il y avait vraiment une belle chimie entre nous, côté sport. Qu'est-ce que tu fais? Je prends des petites notes sur nos randonnées. Aujourd'hui, on a fait 72 kilomètres en 3 heures. Puis tu te mets un petit bonhomme sourire. C'est bon. Je me félicite. T'es un drôle de gars, toi. Hein? Les gars avec qui je suis sortie, c'était le premier soir, ils me sautaient dessus. Ça n'a pas de classe. Ah. Tout ça fait 2 mois. Je te respecte. Oh, ben, il y a respect puis respect, Gérald, à mon année, une fille seulement aussi. Oh, ben, une main. La prochaine fois, tu voudras me manquer de respect, attends pas trop, moi. On est bien, hein? Tu sais, j'ai pas toujours été un enfant de cœur. J'ai vu ça, j'ai fait des affaires pas trop catholiques. Des coups... un petit peu rock'n'roll, mettons. J'ai été en dedans, en prison, une couple de fois. T'as quand même pas tué du monde? Oui, mais tu sais, 7-8, pas plus. Est-ce qu'il y a moins plus que ça, là? Oui. Non, mais... des vols de banque, une caisse populaire en 80. Ça fait de même. Ça te fait pas trop peur, toujours? Ça fait 20 ans que j'ai passé du monde au salon funéraire. Je ramasse des corps aussi, puis souvent, c'est des petits vieux. La plupart des clients, c'est des petits vieux qui ont jamais rien vu. Ils connaissent rien. Ils sont jamais sortis de Nakano. Ils viennent enterrer le mort en attendant de se faire enterrer eux autres aussi. Moi, il y a qu'une affaire qui me fait peur. C'est l'ennui.
forme? Ouais. Pour vrai, là. Ton petit cœur. Number one. C'est fini, ces histoires-là. Bon. On s'éternisera pas. Il s'appelle Mario Van Desbergen. C'est un full patch, faut qu'il tombe, là, c'ti. De son adresse, pas à la place où il mange souvent. Un grand moustachu flash avec des bagues puis des chaînes. Tu peux pas le manquer. Rod dit que t'aimes les magnums. Je n'ai laissé un d'un sac brun. En dessous du gros pin, dans le bois, à droite en sortant. Ça, puis un 38 pour Dolly. J'ai pas besoin de lui. On est en guerre, Gérald. D'un coup, ton gars, il y a un backup, là. Tout seul, tu serais dans la marde. Mais je n'ai parlé avec Reg. Il pense comme moi. Il te dit pour mon avance? On a dit 20 000. En voilà deux. Merci. Bon, ballon. Guéris, alcooliques, les drogués, toutes les dépendances paraîtraient. Qu'est-ce que tu dis de ça, toi? Ouais, je crois pas à ça. Verrais-tu ça? Calvaire, on ferait faillite. Ça me prend une patte, Gérald. Tu me fais ça bien clean. Va m'en rappeler. Compte sur moi. A cuisiné des cigares au chou avec Sœur Alice pour une charité. Pendant que moi, je me préparais pour mon contrat à Québec. Je te dis que ça sent bon d'en place. Ça sent bon, hein? Très bon. Je vais être sur mon départ. Travailler la fin de semaine? Oui. Pour la route. Merci. Pour chaque nouveau punch, je m'achetais du linge neuf. Comme ça, tu le jettes après, tu sais, puis tu laisses pas de traces. J'amenais aussi toujours deux guns. Un pour le punch que je laissais là, puis un autre que je gardais sur moi pour la sécurité. Le vlog qui réplique, lui. C'est rendu que tu te caches même pas des voisins pour faire tes cochonneries. Maudite salope! Hey, minute, là! Toi, ta gueule. Lisette, elle m'a dit que tu laissais papa des grands bouts tout seul. Hey, ça fait deux ans que t'as pas vu ton père. C'est un maudit long bout, ça aussi. Je pouvais pas venir, puis tu le sais. Ben oui, pauvre chou, tu sors de prison. T'es où, là? En maison de transition? Figure-toi donc, elle me dit que mon fils, il vole des banques, puis il est trop sans dessin pour se faire prendre. Yeah. Remonte dans ta ménoune, là, puis laisse-nous tranquille. Non, je vais aller voir mon père. Écoute, fais donc ce que tu veux. Mais moi, je reviens à 10 h, puis je vais plus te voir ici, t'as compris? Papa? J'ai trouvé ça, mon Gérard. On sait pas te revoir. Jamais, c'est certain. Ils m'ont laissé sortir deux ans d'avance. Détenu modèle, que c'était écrit sur mon rapport.
Puis, je suis venu t'annoncer une grande nouvelle. Je vais me marier cet été. Comment elle s'appelle? Pauline. Ouais. Tu l'as dit? Papa. T'as toujours eu de la misère à t'attacher. Comment est-ce que tu me trouves, mon cochon? T'es-tu fou? J'aurais pu sortir mon gun. Relax, Gérald, c'est mon cover pour le punch. Cover. Regarde, moi, ça fait 10 ans que j'opère avec une casquette puis un coupe-vent, puis ça marche très bien, crois-moi. Plus drabe que ça, tu meurs. Ben, c'est ça, drabe. C'est ça qu'on veut, drabe. On veut passer inaperçu. Ben oui, le pince à la suce va t'expliquer de quoi. C'est une Chevrolet de l'année. C'est pas une poubelle. J'aime ça propre. Habitue-toi. C'est moi le fait, festif. Tant qu'on perd avec le repérage, trouve le gars, surveille le gars, suis le gars. J'ai une maudite bonne idée pour rendre ça pas mal moins compliqué puis pas mal plus payant au bout du compte. Juste avec ça, là, je peux me pointer à sa porte bien tranquille. Le style Vanden, je me souviens plus de son crise de nom, là. Quand il voit une femme, il se méfie fuck all. Même qu'une belle blonde, ça le met de bonne humeur. Il ouvre la porte, je le pop. Merci, bonsoir, 20 000 piastres, bon débarras. On l'a jamais vu, ce gars-là. On le connaît même pas. Grand, moustachu, patché, il va pas se tromper, Calvert. C'est pas ça. D'un coup, c'est pas lui. D'un coup, c'est sa femme qui vient ouvrir. D'un coup, il y a des enfants. Puis après? Ben, moi, je veux pas que ses enfants, ils voient la cervelle de papa sur le mur. J'ai des principes, moi, dans la vie, puis si ça fait pas ton affaire, tu peux t'en retourner chez vous. On va m'arranger tout seul. T'es l'air poulon. C'est ta troisième. Ça me garde réveillé. Ton diabète. J'ai mon insuline, inquiète-toi pas. By the way, j'ai checké ça. Je pense pas que c'est Rod, finalement. Hein? Qui m'a vendu au bœuf. Il a acheté sa maison en 89, pas en 90. 6 mois avant le vol. Puis Carlo, lui, ben, c'est impossible, il est bandit sous moi. C'est peut-être quelqu'un de la banque qui t'a identifié. Avec ma cagoule? Tu l'as peut-être levé à un moment donné? Ben oui, ça me piquait puis je l'ai ôté, trop grave, moi. Si c'est pas Rod puis c'est pas Carlo, ça peut juste être moi? Exactement ce que mon petit Carlo arrête pas de me dire. Puis qu'est-ce que tu lui dis à ton petit Carlo? J'ai dit qu'on était comme des frères depuis la petite école. Que c'était sacré tous les deux, puis que... S'il répétait ça encore une fois, j'en colle une dans la tête, c'est tout. Calme-toi, je t'en demande pas tant. Ouais, j'ai dit ça de même pour lui faire peur, tu sais bien, là. Je l'aime, ce petit Christo, ça n'a pas de bon sens. C'est juste qu'il manque de jugeote. Des fois, il est un petit peu bird brain. Hey.
dernière fois que cette perruque-là, la tête me pique, calvaire. Maudite soirée pareille, hein? On est un esti de team, je trouve. On se complète bien. Coudon, qu'est-ce que t'as? T'étais pas obligé de la fesser si fort. Moi, les femmes puis les enfants, je touche pas ça. C'était force majeure, elle t'empêchait de tirer. Non. J'avais juste besoin d'un petit peu de temps. Mais t'es folle comme de la marde! J'ai pas pris de chance. Ça fait 15 contrats que je fais, toutes clean. OK? J'en fais jamais plus que le client demande. Je laisse pas de miettes, puis je te conseillerais de faire la même chose si tu veux pas te retrouver en dedans. Oh ben, Christ, les leçons à cette heure. Charles, tant que tu veux, on a quand même fait un beau 10 000 chaque à soir. Très content, Colis. Enfin, une patch! Tiens. C'est rien, ça. On commence à avoir du fun, toi puis moi. Justement, j'aimerais ça être augmenté pour les prochains. Avec la guerre, il y a bien des gars dedans, là. Les avocats nous coûtent une beurrée. Pour le moment, c'est ça qu'on peut te payer. Il y a une promesse que je peux te faire, par exemple. Quand les choses vont s'être tassées, Reg pis moi, on va s'occuper de toi et t'auras plus jamais de problème d'argent. OK. Une patch, tabarnak! Une patch! Ah, ben c'est bon, ça. Oui, je devrais revenir à la maison demain. J'ai bien hâte de te voir. Ouais. OK. Ouais. Après notre nuit d'hier, j'avais besoin de récupérer un petit peu. Omelette Western. Number one. Fou. T'as un couple et une femme qui ont fait ça, ça a l'air. Hein? Faut s'aimer à maudit, poser face à deux. Ouais, ou ben non, ils sont un petit peu tordus. Je sais pas. Ça prend de la confiance. Pareil comme Bonnie and Clyde. C'est un film. C'est un film sur un vrai gars là qui tombe en amour avec une fille, puis ils font des vols de banque ensemble, puis ils tuent du monde aussi. Comment ça finit? Ils se font tuer. Mais ils s'aiment, puis ils se tiennent. C'est beau, ça. Peut-être, tu sais, peut-être que t'es un petit peu tordu, toi aussi. Je trouve qu'il te ressemble.
peux me faire confiance, Gérald. La Rose, il m'avait donné un contrat sur le deuxième des Hells, Jerry Pratt. Il était en liberté conditionnelle, puis il devait rester au motel de son père à Jonquière. J'ai demandé à Jocelyne si elle voulait venir avec moi. Elle m'a dit oui. Même ma vie avec Pauline, j'y ai tout déballé ça. C'est la première fois de ma vie que je m'ouvrais de main. La Rose, il m'avait donné une photo de Jerry. Puis je voulais être sûr que j'avais le bon gars. Puis Jocelyne allait m'aider avec ça. Peut-être lui, ça. Monsieur! Excusez-moi. Mon mari et moi, on se demandait, y a-t-il un bon restaurant dans le coin? Il y a un Italien sur la route de Delmas, pas loin de la sortie de Jonquière. OK. Hey, l'Italien, c'est correct? Number one. C'est... Juste avant la sortie de Jonquière. OK, bien merci beaucoup. Bonne soirée. C'est lui. Je veux qu'on vienne à la fin, que certaines personnes nous ont parlé, puis qui serait votre complice, là. C'est qui? Demande-moi pas ça, Claude. Je vais vous aider. Elle a fait des coups avec vous. Jérôme Jerry Pratt, entre autres. Demande-moi pas ça. Si je te donne ce nom-là, je serais plus capable de me regarder dans le miroir. Gérald, ça me prend ce nom-là. OK? Parce que c'est ça le deal, là. Faut tout dire. Sinon, là, je vais vous expliquer ce qui va se passer, là. On va être obligé de tout arrêter ça, là. Puis vous allez vous débrouiller avec vos avocats. Tu comprends pas. Cette femme-là, c'est spécial. Tu sais? Je lui dois beaucoup. Gérald, son nom. Partie de la famille. La comédienne Marie-Soleil Touga et le cinéaste Jean-Claude Lauzon sont morts dans l'écrasement de leur Cessna. Tu vas faire ça quand? Je sais pas. Et pas là, en tout cas. Okay. Ben, je ferai pas ça pendant que t'es là. Ça, c'est ça. Arrête. De toute façon, j'ai pas d'armes. Hein? Tu t'es... Mais non. Je te l'ai dit, on est ici en repérage pour voir de quoi le gars de l'air. Tu m'as aidé, t'as fait ta part. À cette heure, c'est mon show. Mais tu sais, je vais te donner un bon 2000. J'ai pas d'argent, c'est pas ça. Mais tu vas l'avoir pareil. T'es ma Clyde. Mais non. Je t'abonne. Gérard Clyde, c'est le gars. C'est...
C'est compliqué, ton affaire. Je suis retourné à Jonquière pas longtemps après. Pratt, il devait revenir au motel à chaque soir à 11 heures. Puis je l'attendais. Pratt a survécu, même avec 5 balles. Mais la rose m'a payé pareil. Fait que je suis parti en voyage avec Jocelyne. J'ai tout raconté à Jocelyne, parce que garder tout ça en dedans, c'est lourd en calvance. Mais la vraie question, c'est pourquoi je l'ai amené à Jonquière avec moi. Puis je pense que je connais la réponse. C'est qu'à cette heure qu'on était complices, elle pouvait plus me vendre sans se vendre elle-même. J'avais honte de ça. Tu crois-tu à ça, toi? Je sais pas. Tu sais, j'y parle des fois. Oh. Comme mon père depuis qu'il est mort, tu sais. Mais c'est à toi que je parle. Son nom, Gérald. Je sais que c'est difficile. Non, non, tu le sais pas. Parce que si tu le savais, tu le demanderais pas. Si je te donne ce nom-là, moi, j'ai plus rien. Tu sais, c'est comme si je te donnais mon âme. Ça file pas, là. Gérald, je te le demanderai pas 10 fois. Ben, moi, je te le dis rien qu'une fois, c'est non. Oh, ça file pas, là. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas. Ça va vraiment pas? Non. Est-ce que tu veux que je t'appelle une ambulance? Oui. C'est quoi le feeling? C'est tes jobs, là. Quand ils te regardent juste avant quelqu'un. Tu sens quoi dedans? Tu veux pas savoir ça? Mais oui, je veux le savoir. J'ai besoin de le savoir. Non! Pas. Excuse. De toute façon, ça va finir toutes ces affaires. Le boss, il m'a parlé d'un gros contrat. Comme le jackpot. C'est qui? Il m'a pas donné de nom, mais tiens, il m'a donné un prix pisse. C'est un bon prix. Tiens, on pourrait se partir une affaire, tu sais, une petite business dans le sud, là, des îles. Moi, j'aime les fleurs puis les plantes. T'aimes ça, les fleurs? Le boss nous avait amenés dans un camp de chasse. Il voulait qu'on s'entraîne pour la job qui s'en venait, puis
puis qu'on teste un paquet d'armes. Les crises à mitraillette, ils jamais une fois sur deux, Carlis. Ouais, c'est qui nous fournit? Le Russe. C'est un hostie de crosseur, ça. Hey, j'ai mal à l'épaule, hein. Calvance, ça kick pas mal, hein, les Remington. Ouais, c'est du gros 12, ça, là. J'ai les mains qui shake encore, moi. Ah, les mains qui shake avec du gros 12, parce que vous n'êtes pas habitué, c'est plus avec les Uzi. Ah ouais? Puis toi, Pitoune, ta petite épaule, es-tu correct? Tout est beau, à part ma crampe aux doigts. Elle est mauvaise, hein? Es-tu dans ses crottes? On se calme, les boys. Gérald, pas ton père qui venait du bout? Oui. Ouais, son père est à Chiac. Ben, il était acadien. Le patois, c'est à Chiac, ça. C'est le patois des Acadiens. Un Chiac, pas Chiac, là. C'est lettre qu'elle crie, cette langue-là. On comprend rien. Ils ont l'air une gang de débiles quand ils parlent. C'est vrai, toi, Rod, c'est de la musique à chaque fois que tu t'ouvres la gueule. Coudon, toi, tabarnak. Tu me cherches-tu? Toi, tabarnak, tu me lâches-tu? Pas capable de se défendre tout seul, ta chouchou? Ferme-tu ta crise de gueule? Toi, t'as ferme-tu ta gueule, aussi? C'est quoi ton petit problème? Ferme ta crise de gueule! Ferme ta gueule! Ta gueule! Ferme ta gueule! Bon, c'est-tu fini, là, ce petit niaisage? Voyons, minute. Je vous ai pas amené ici bien que pour le fun. La guerre, faut que ça finisse. On se bat fort dans notre bord. On leur a pris des gros morceaux, mais ça a l'air que c'est jamais assez. Nous autres aussi, on a perdu des gros joueurs. Là, enough is enough. On va prendre les grands moyens. On va décapiter les Hells. Maurice Mamboucher. On va le passer, le tabarnak. Il est en calvaire! On va y passer son petit crisse de smile de vedette en marbre! Ah, moi, c'est un petit crisse de pic-pic dans les cheveux, là. Plus capable! Bang! Yes, sir, Momo, I'll drink to that! All right! Hey, qu'est-ce que tu fais, fille? T'as plus soif, hein? Oui, lâche-moi si j'ai assez bu. Comment, assez bu? On pense ses mômes, calvaire. Ah oui, bois ça. Ah oui! Hey, j'ai dit non. Oui! J'ai dit non, calice! Non, serais-tu du bord des Hells, Pouscrotte? Répète ça, mon tabarnak. Wow, c'est correct, là. Hey! Tu serais déjà être des deux bords, toi, hein? Esti d'homo. C'est qui le mot à cette heure, hein? Hein? C'est qui le post-crat? Hein? Je pense qu'il a compris. Ça fait 30 ans que tu le connais. T'as jamais eu de problème avec. Mais là, je n'investis. Tu vas parler depuis un bout? Toujours après Carlo? Il cherche 24 heures sur 24, la franchienne. Je suis d'accord avec toi. C'est clair qu'on a un problème. Bon, enfin. Merci, Reg. Sauf que le problème, c'est pas Rod. Moi, je peux pas opérer de même. Ça prend un minimum d'harmonie dans une équipe. Puis surtout avec ce qui s'en vient. Mais c'est pas de sa crise de faute, à Carlo? Non. C'est moi. C'est ma faute à moi. J'aurais pas dû te permettre de l'emmener ici. À cette heure, je veux que tu te tiennes loin de la gang. Dis-moi que tu comprends, puis que t'es d'accord. Donald, c'est bien important. OK, je comprends.
parler à Rod. Enterrer l'âge de guerre entre vous deux. Tu es d'accord avec ça, toi? Enterrer l'âge de guerre? Oui. Mmh. Merci, boss. Tu peux y aller à ta. J'ai pas eu le cœur de le faire. J'ai décidé que d'y faire peur, ce sera assez. Pour qu'il se tienne loin, puis qu'il ferme sa gueule. Pire erreur de ma vie, ouais. Tu te sens, là? Je pensais que c'était fini, ça, les problèmes de cœur depuis le vélo. Je te ferai pas en prison, Claude. Faut que tu m'aides. Bon, on va faire tout ce qu'on peut. Si toi, tu fais tout ce que tu peux, là. Ouais, je fais tout ce que je peux, me semble. Il en manque un bout important. Tu le sais, ça. C'est difficile, tu sais. C'est sensible, ce qui reste. Tu peux me le dire, son nom. Ça va faire mal à bien du monde, ça, Claude. Sais-tu tout ce qu'on a fait de te sauver? L'ambulance, la protection, les médecins, ta chambre ici, les infirmières. Coûte cher, ça, Gérald. Le docteur qui dit que t'es en pleine forme, t'as le cœur d'un gars de 40 ans. J'aime pas qu'on me prenne pour un imbécile. Je t'en ai pas mon temps. Claude! Jocelyne! Jocelyne Lacroix! Elle m'a aidé pour Jerry Pratt, Ghislain Allard, puis Rivard. Elle t'a aidé comment? Le seul responsable dans tout ce qu'elle a fait, la jeune demoiselle, c'est moi. Tu sais? Elle vient d'une bonne famille, tu sais, du monde... Travaillant du monde honnête, puis ça va leur faire, hein. Ça va leur faire mal. Rhabille-toi, Gérald.
Qu'est-ce que vous faites là? Ils m'ont dit qu'ils étaient prêts à ramasser. Non, 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 non. Qui vous a dit ça, là? C'est moi qui décide ici. On va vous faire signe. Madame, hey, on va vous faire signe. Restez pas là. Ouais. Ça te ressemble en baptême. Oui. Qu'est-ce que t'avais d'affaire, là? Ma job. Tu pouvais pas trouver quelqu'un pour te remplacer? Ben, je savais pas que c'était toi. Tu me disais rien. Tu sens que ça peut bien faire. Tu pousses. Ça, là, c'est mes affaires, OK? Puis je veux pas te voir, là. C'est pas comme ça que j'opère. C'est toi qui commences à m'impliquer. Mon erreur, oui. Non. Je fais partie de ta vie. De toute ta vie. Hey. Faut se faire confiance, hein? Tu t'ouvres. Sinon, tu vas mourir tout seul. Moi, je suis prête à aller jusqu'au bout. Je commençais à trouver que Jocelyne apprenait pas mal de place. Mais le punch de Mom Boucher était prévu pour le 13 septembre, puis il fallait que je le prépare. Ça, c'est le coiffeur. Où est-ce qu'il va se faire les cheveux? Le mercredi. Ah, c'est qui donne? Puis ici, c'est la brasserie où, tu sais, il vient prendre sa petite bière, là, tu sais. Mais juste en face, t'as une patate. C'est de là que j'ai fait ma surveillance. Puis, ben, je l'ai croisé une fois. Si j'avais eu mon revolver, j'aurais pu le passer direct là. Puis notre fun, nous autres. Ça, c'est quelqu'un? Non, merci. Merci. D'après moi, le plus simple, c'est que moi pis Dolly, on va au restaurant, puis tu sais, on se colle un petit lunch, là, tu sais, ben tranquille, puis on attend que lui sorte pour aller chez le coiffeur. Puis quand il traverse Pineuf, on le passe. Carlo, on le voit plus. Ouais, il habite plus ici. C'est fini entre nous deux. OK. Prends ça relax avec le muffin. D'habitude, il se pointe pas avant 11 heures. Le matin, il faut que j'en empile, sinon j'ai la tête qui tourne. By the way, je veux te dire, le boss est sur un gros deal de poudre, puis il nous manque un gars. Je touche pas à ça, l'ado. J'haïs ça, tu le sais. Ouais, mais là, c'est 750 kilos. Un esti de gros mouton, là. Tout est arrangé, là. Un beau tour de Batabuel dans le sud, ça tente pas. Hmm? Où ça? Venezuela. En descendant par le Porto Rico. Puerto. Pas Porto. C'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, moi? Lâche-les, OK. Toi, j'y peux. Qui, ça? Je crois que mes nerfs, si tu le sais. Carlo. Parle au boss. Dis de canceller ça. Hey. Pas plus.
semblant de me parler. Puis, comment ça va, tes hémorroïdes? Ça, c'était à cause de la tentative sur Auger, le journaliste. Ça prend-tu un sans-dessin pour faire des affaires de même? Des journalistes, tu touches pas à ça. En plus, il avait pris une 22, un gun de cave qui fait pas de dommages. Auger, ça fait descendre le monde dans les rues. C'est pas bon. Là, la police met de la pression pas possible, c'est elle. Y a plus moyen de cibler personne. Fait que, oubliez ça. Tu me connais, Reggie. Je suis capable de passer à travers les mailles du filet. Facile. T'sais. La game a changé, mon Gérald. On rencontre les S dimanche. La guerre est finie. Crains pas, mon Gérald. On a toujours dit qu'on allait prendre soin de toi après la guerre. On tient nos promesses. De mon bord, je me cherche un helper. Un gars qui a pas peur de travailler. Fini les voyages. Fini la belle retraite dans le sud. Puis fini les beaux projets avec Jocelyne. Je venais de mettre une Chrysler 300 flambant neuve sur ma carte de crédit déjà bien loadée. Mon monde venait de s'écrouler. Puis sien avec cette pauvre fille. Mais comment tu ressens plus rien? C'est comme ça. Ben, ça arrive pas de même, Gérald. J'ai pas de contrôle là-dessus. J'ai plus d'amour, Anda. Plus de désir. T'as rendu compte? Tout ce que j'ai laissé tomber pour toi, tout ce que j'ai accepté, tous les risques que j'ai pris, t'as rendu compte? Oui, je sais. Merci. 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 Merci de... Tu sais, on a quand même fait des beaux voyages ensemble. Puis, j'ai dépensé beaucoup d'argent quand même. T'as dépensé? Mais moi, je t'ai rien demandé. J'ai ni un job! C'est toi qui voulais toujours payer pour tout! Pas capable. Je te pensais plus fort que ça. Je pensais pouvoir t'aider, mais... T'es faible, faible, faible. T'as peur. T'as peur de t'attacher, t'as peur de moi, t'as peur de tout, t'as peur de tout le monde. Aussitôt que ça s'en vient un petit peu... compliqué, où ça s'en vient. Tu te pousses. T'es rien qu'un lâche câlin. Je sais ce que tu mérites. Mourir tout seul dans un trou avec ta conscience. Si t'en as une. Je sais que t'es choqué. Mais va pas faire des folies. Il y a des affaires, mais il faut que ça reste entre nous. Parce que t'as participé toi aussi. T'es complice devant la loi. Fait qu'oublie jamais ça.
Je la gardais pour ton beau projet. Prends-la. Va-t'en. Va-t'en. Va-t'en, va-t'en, va-t'en! 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 Je vais être protégé sans ça, oublier ça. Commence par nous dire c'est qui. Un contrat sur ma tête, si je veux des garanties. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais ça va nous prendre son nom. Gérald Gallant. Il travaille pour les Rock Machines depuis 15 ans, je dirais. Pourquoi on devrait te croire? Je me souviens plus la dernière fois j'ai dormi une nuit complète, ou bien je me suicide, ou bien je tue tout le monde autour de moi. Ou bien je le vends. Galant, il a l'air de rien de même, là, mais c'est le pire crosseur. Il joue tout le temps une game. Là. Il a aucun sentiment, il aime ça tuer. Van Despergen, full patch des Hells, c'est Galant. Ticulumé, Galant, Gisler Allard, Yves Penneau, Vince Davioli, Moses Lester, c'est tout Galant qui s'en passe. Puis bien d'autres. Une quinzaine au moins. Puis moi le prochain. C'est les nerfs, c'est normal. C'est quoi juste ce que tu fais là? Je sais que c'est pas facile. J'ai une autre question, OK? Galant, est-ce qu'il opère seul sur ses jobs ou avec un complice? Seul. T'es sûr? Seul à 100%. C'est arrivé quand? Ah, matin. Le boss, il venait de se faire arrêter pour son deal de poudre dans le sud. Les bulles suivaient depuis un an et demi. Depuis que je leur avais parlé, ouais. Je pense que, tu sais, il va falloir qu'on se perde dans la brume pour un bout. Si tu veux me parler, tu prends ça. Parce que ton téléphone maison, là, oublie ça. Sauf pour commander du chinois. Hey! Ça a pas l'air affilé? Non, ça va. Ton chum que tu vois plus, il en oublie des bouts de chez vous, ça a l'air? Tu y fais pas trop de confidences, toujours? Je t'avais dit de te méfier. Irais-tu chercher mon insuline dans la chambre, s'il te plaît? Je ne mange plus, je vis plus, je suis plus capable. Je comprends. Je ne vous ai rien dit sur toi, là. Rien. Tu me cries, là, hein, j'espère. Bien sûr que je te crie. J'avais pas le choix, j'avais pas le choix. Je le sais. Calme-toi, là, calme-toi. Je le sais. Okay. Assieds-toi, là. Assieds-toi. Ouais. Tranquille. Respire.
ça. Encore une fois. Oh. Ça va mieux, là? Ouais. T'es tout dépeigné, là. Je t'aime. Ça va aller. Ça va aller. Écoute-moi bien, là. Écoute. Ouais. On va arranger ça. Tout s'arrange dans la vie. Tout le temps. Inquiète-toi pas, je suis là. Excuse-toi. Tout est fini, là. Tout est fini. Tu vas prendre un petit verre d'eau, là, puis ça va aller mieux. Tout est beau. Je me méfie-tu assez, Gérald? Le dommage était fait. À cause de Carlo, ils m'ont relié à un punch à Sainte-Adèle. Ce soir-là, j'ai commis une grave erreur. J'ai toujours fait bien attention de ne pas laisser de miettes. Si je prenais des ustensiles, je les ramenais avec moi. La plupart du temps, je mangeais avec mes mains. Je leur laissais jamais rien. Mais ce soir-là, Dolly était en retard. Puis il y a des limites à être assis à un bar, à pas boire ta bière. À un moment donné, le monde, il pourrait trouver ça bizarre. Pas grand-chose, mais on vous dire. Un petit peu de bave, puis ils peuvent quasiment dire ce que t'as mangé à Noël passé. Salut. Allô, mon Gérald.
T'as-tu... de quoi manger? J'ai pas eu le temps de souper. J'ai reçu un appel de Lisette. Ah ouais? Ta mère. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle est décédée cet après-midi. Ça s'est fait bien doucement pendant sa sieste. Veux-tu un petit brandy? Ouais. Même pas souffert, la vache. Je m'étais promis que j'irais jamais à ses funérailles. Mais finalement, je suis allé juste pour les voir la mettre dans le trou. Je suis allé la voir un petit peu de temps avant qu'elle meure. Ce n'est pas pour longtemps. Je voudrais dire que je t'aime. T'es mon fils, je suis ta mère. Tout me pousse à ça, t'aimer. C'est normal. Sauf que je suis pas capable. Quelque chose dans moi qui m'empêche de te prendre dans mes bras comme je le fais avec les autres. Un dégoût, je dirais. Mais c'est ça, il n'y a pas d'autre mot. Tu me dégoûtes. Ton teint, ton odeur, tes petits yeux vides. Même quand t'étais petit, bébé, ça me dégoûtait. T'es devant moi, là, puis... T'étais un mou comme ton père l'était. Un mot, un sans dessin. Pas capable de dire deux mots sans t'enfarger dans ta langue. Beige. Ouais, c'est ça que t'es. C'est ça ta couleur, t'es beige. Je m'excuse, mais c'est rien que ça que je vois. Des affaires que tu vois pas, maman. Ça avait pas super bien été. Après l'affaire de Carlo, les bœufs ont commencé à me faire de la filature. Je m'en doutais, tu sais. Puis j'essayais d'être prudent, mais tu peux pas être prudent 24 heures sur 24. Le sujet quitte. La tasse est clean. OK, ramasse nos seaux plus sacrés. Moi, ils m'ont pas ramassé tout de suite. Ils m'ont même laissé aller en Europe. J'étais cassé dans ce temps-là. 72 et 94 dans mon compte à la caisse. 45 000 piastres de dette. Mais je m'étais trouvé un contrat bien, bien payant. Tu t'habilles en riche, puis tu t'achètes des affaires de riche avec des cartes de crédit clonées. 100 000 piastres en 5 jours.
la job la plus facile de ma vie. Ça fera 11 500 euros, monsieur. Cadeau pour tes 56, mon Roland. Joyeux anniversaire. C'est bien smart, là, tu sais, mais... je bois pas. Mais... C'est un drink, pas d'alcool, mais oui, anyway, c'est pas vraiment ça, le cadeau. Hmm? Gérald? Clio. Clio Gérald. Enchanté, Gérald. Enchanté, mademoiselle. Bon, ben, je vais vous laisser, moi, là. T'en prends bien soin. Il se rentre de bonne main. Bonne fête. Merci. Quand ils m'ont ramené à Montréal, Pauline, elle savait que j'avais été arrêté, mais elle ne savait pas encore pour mes 28 meurtres. Journal de Québec. Ils sont au courant que tu nous parles. Ça va faire le front page demain matin. Ma femme? Ils savent où je reste? On s'en occupe. Faut que tu sortes de là. Inquiète-toi pas. J'ai peur, Gérald. Écoute-moi bien, Pauline. C'est bien important. Le monde, là, avec qui je travaillais, c'est du monde bien dangereux. Puis je sais que je t'ai toujours dit, tu sais, de pas écouter la police, mais ces gars-là, là, ben, tu peux leur faire confiance. Je tuerais. Quoi, ça? Les 28. Ils l'ont mis dans un programme de protection. Changement de nom, d'adresse, de ville. Chef d'accusation de meurtre.
bye. Je regrette le mal que j'ai causé aux victimes ainsi qu'à leur famille. Je comprends que le pardon sera difficile, voire impossible. Et je l'accepte. Le but de ma... Le but de ma... Le but de ma... collaboration avec la police, c'est de réparer en partie le mal que j'ai causé. Je vous demande pardon. C'est tout. J'ai signé un contrat de témoin repenti. J'ai tout raconté à la police pendant 3 ans. Je leur ai donné tout mon monde. Je pense que t'as des choses à me dire, Jocelyne. Ça fait 3 heures qu'on est ici. J'ai pas entendu le son de ta voix. Moi, j'essaie juste de comprendre. Je sais que t'es pas une criminelle. OK. Tu veux la jouer comme ça, ton choix. Ces portraits-là, quand on les voit dans les journaux, ils font peur. Quelque chose d'incomplet. De pas humain. Ben, vous dites que vous cherchez à comprendre Gala, mais... Gala, c'est ça. C'est juste ça. T'es où, là? Je peux pas le dire. Ouais, ouais. C'est mieux de même. Il va falloir que tu m'aides. T'sais, que tu leur parles. Que tu leur dises que... T'sais, que j'étais un bon mari, puis... Que tu leur parles de ma jeunesse. J'ai tout perdu, Gérald. De ma mère. Ma maison, mon quartier, mes amis, mon nom, mon identité. J'ai plus de vie à cause de toi. Moi, regarde-moi. Toi, t'es un assassin. Le pire meurtrier du Québec, qui disent aux nouvelles. C'est ta place ici. Non, je suis un soldat. C'est pas pareil. On était en guerre.
Les messieurs que j'ai passés, c'était des ennemis de la société. On devrait te remercier, Coudon. Je suis venue pour te remettre ça. J'en veux plus. Je me rappelle quand je te l'ai offert. Tu sais, je venais de sortir de prison, puis on était au Marie-Antoinette. On avait commandé des steaks, ça d'épais. M'as-tu aimé? Un tout petit peu. Je vais toujours t'aimer. Toi pis moi, c'est pour le meilleur ou pour le pire. C'est pour ça qu'il faut qu'on reste unis. Qu'il faut qu'on soit fort. Saint-Cyr, il te respecte. Il me le dit. Puis, faudrait que tu... Qu'est-ce que tu fais? Va chier, Gérard. J'ai fait mal à ben du monde. J'ai un gros parcours. Mais moi, je me voyais comme un soldat. Pauline a dit que vous pardonnez aux repentis. C'est ça que je suis, un repenti. Vous êtes tout ce qui me reste. Je veux pas finir tout seul dans un trou. Donnez-moi un signe. Seigneur. De son paradis, se déloger à perpétuité requiert au final juste une seconde. Le temps est plat comme un lit sans aucun pli. Yolo prison, brasier ou enfer, c'est une question de vocabulaire. De toute façon, j'irai au diable, je m'en ferai un ami. Tout mais ne pas mourir seul. Tout mais pas sans compagnie. Tout, mais ne pas mourir seul.
les amours de ma vie que j'ai aimé, que j'ai chéri et anéanti sans trop y penser. Où que vous soyez, écoutez ceci, je ne suis plus rien, peu moins que rien, je n'existe plus que dans l'oubli, de l'oubli, de l'oubli inexorable. Qu'il aille au diable, je vous entends d'ici. Tu n'avais plus compte à quelqu'un. Non. Puis, il y en a qui vont peut-être trouver ça dur, ce que c'est que je vais vous dire. Mais,
J'ai pas... J'ai pas... assisté à ses funérailles. C'est mon choix. Je me sentais mieux de même.